Story, une histoire de couille. Couille, oh yeah, couille, couille. Let's go, yeah, couille, couille. Couille, sac, de bois. Couille, teabag. Couille, teabag. Antoine Barreau, c'est un stratum. Couille. Moi, j'aime ça, les gars, pénis. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. My kids don't know. Yes, I saw you sit. C'est pas ça que c'est la qualité, là. Pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il retourne dans la rame? Ben, on est dans la rame, donc. Je suis retourné au foot. Bonjour, docteur. Veuillez prendre place. Hein? Hein? Oui, maître. Bonjour. Bienvenue. Moi, je suis le maître. Je vais être comme un maître dans un loft. Je vais comme faire le maître dans le loft. Le loft aura des murs, un plancher, un plafond et quelques garçons. Merci de m'écouter parce que j'ai une testicouille de bris dans la fermeture éclair de mon coton ouaté. Mon vocabulaire est à son apogée, pitoute. Un chat mange mon poil de cul. Ne pensez pas que je suis métrosexuel si je n'ai plus de poil de cul.
C'est juste que ma marde goûte la bouffe de chat. Pour revenir au sujet principal, voici votre émission principale. Poche Story. Une histoire de coups. Mais quoi qu'il faut faire, là? Non, mais plein de titres. On va se payer le cul de mon oncle. Pas de bon sens, si. La crise d'art. C'est pas ça qu'Arafat m'a dit, là. Oh. C'est cul. Que? Moi, je pensais pouvoir un site. Moi, je l'ai dit à ma mère que c'était une mauvaise idée, mais c'est créé. Avoir su, j'aurais pas nié qu'il était gosse. C'est pas bien, toi, dans ton tête. Hein? On dirait la radio, la Jazira, toujours en train de couper là. Arrête! Oh, toi, si tu comptes nous, je close les gouilles. C'est fini, toi, ici là. Le confessionnal. Non. Confessionnal. Pas anal. Oui, ben, première impression, monsieur le maître. Je trouvais ça pas super. Finalement, là, il y a du béton, comme vous avez dit, du plancher, des murs. À part ça, il m'aurait bien fait cuire un smoke meat. Hey, quelqu'un qui peut me dire si c'est fumeur ici ou pas, parce que moi. Fait que. À date, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de personne à qui. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on se revoit prochain confessionnel. Oh ben moi, j'étais arrivé là, j'étais quasiment dans mon monde là, sérieux, c'est... les murs de béton c'est moi là. Pis je me sentais vraiment genre viril, tu sais, gars le plus viril là. Quand l'arabe pis l'autre se sont pognés là, est-ce que je me suis pas gêné? C'est pas bien toi dans ton tête. Hein? Je les ai toutes dit dans la face. Sincèrement, il y avait tellement d'adrénaline là. Si j'ai craqué, la pression était là, mais j'ai chopé plus longtemps que j'ai pu. Puis après ça, j'ai craqué. On se fait griller un smoke meat. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, si tu m'as craqué mon étau, pis moi, tu te le pètes à gueule, tes astites crottées là. Je vais te dire une chose, toi. C'est pas bien ce que tu fais là. Et là, moi je suis pas bien ici là. Quatre murs, un plafond, que des pénis ici là. Moi, Arafat m'a dit, il va avoir du vagin. Et là, il n'y a pas de vagin là. Moi, je suis mal ici là. Et en plus, il y a l'autre là. Il parle ici là. On dirait qu'il manque toujours le. Comment dire, le signal. Je vais zigouiller. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que c'est la qualité. À toi le maître. Moi, on parlait franchement, là, le fucker avec la peau différente, là, il me fait peur, puis moi, ma mère, elle m'a toujours dit de faire attention aux couleurs différentes.
Puis lui, il est très différent avec son truc sur la tête. Sinon, à part ça, là, le béton, il est beau. Ouais. C'est une belle job de décoration. Puis... Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être de la mode? Un arabe, un attardé mental. Deux autres de colons. Est-ce que ça va être plate? Moi, je pensais qu'il y aurait des filles, au moins. Moi, je voulais fourrer tabarnak. C'est de la stimante, cette aventure-là, Carlis. Encore ici, moi, tabarnak. De moi. Mais le calice d'Afghan marde de Chris de ciboire de cette vache. Il m'a cassé la calice de nuque, le petit innocent. Moi, tu veux que je gagne le Chris, je suis mort. Hey, je suis en tabarnak. Il me fait chier en Chris. Puis si je suis encore vivant, je pèterai la gueule. Le petit de baril de Chris. Bonjour, là, c'est la 12e journée. On peut stresser là, la nuit ici, là, c'est la première fois. Ouf, pas facile ce jeu. Non, j'ai rien à cacher là. Et à l'autre, là, j'ai commencé la mission, vous allez voir. À la fin ici, je vais être tout seul. Tout seul. J'ai dit seul. Depuis la
troisième jour. J'ai rêvé, mais... j'ai rêvé, man. Là, hey, y a des poils plus bien dans la toilette, tabarnak, que c'est ça? Dégueulasse. Fait que, ben c'est ça, là. Ensemble à ça, là, c'est pas super, là. Regarde, vois-tu, c'est... Ouais, ça, ça a l'air d'être des poils de femme, parce que ça fait longtemps que j'ai... Ben, finalement, j'ai jamais senti des poils de gars, quoique... Fait que là, la journée 2 commence. Fait que finalement, dans mon rêve, je sautais les moutons. Non, non, c'est pas vrai, j'ai regardé les moutons sauter. Ben, pendant une clôture, là, c'est-tu, c'est pas... animal... animal crophile, là. Fait que, ben, c'est ça, on se revoit plus tard. Peace. Bon, un point d'interrogation. Moi, je pense que c'est le tamoul qui l'a tué. Fait que, si j'en pas à toucher à quelqu'un d'autre, là, on va le découper en morceaux. Et après ça, on va le flasher dans la bol de toilette. Fait que, je l'ai à l'œil, le tamoul. Dis-lui de faire attention à ses couilles. Parce qu'il touchera pas aux miennes, ni aux deux autres. C'est moi qui fais le loi. Ha ha ha!